because you too is where the truth is. Olivier Besancenot est avec nous, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, le NPA. Olivier Besancenot, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes un manipulateur? Absolument. Bon. Et maintenant... Donc l'histoire ne se... Dans le cul 2012. Même pas vrai. Même pas vrai. Si, même pas vrai. Surprise. Combien coûte un timbre poste? Ça a augmenté depuis le 1er juillet. On est à 95. 2006. La bœuf a du pouvoir. Ah, sortez la bœuf! C'est de la drogue. Ah drogue. Comme Marley. Radio Pop Rock, Reggae, Spliff. Bonjour. Arrêtons un peu de regarder 2012. Regardons ce qui se passe maintenant. Un seul truc qui est injuste dans ce pays, c'est quoi? Je vous le donne en mille. Les capotes. Oui, absolument. Là, je pense que tout ça va être noyé. Droit dans ses bottes. Juppé. C'est vieux comme le monde, un parent d'élèves qui pue oui. Beaucoup. Sarkozy. Vous ne respecterez plus la loi. Non, mais je m'en fous. Des estrades communes, oui. J'en ai fait avec Pierre Laurent, avec Jean-Luc Mélenchon, Dominique Strauss-Kahn caracole toujours en tête des personnalités de gauche préférées des Français. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait, Pujadas? Les journalistes, c'est tous des feignasses. C'est juste des dépêches sans rien y comprendre. Mon temps, le journaliste, ça allait sur le terrain, ça se bougeait le cul. Pendant la guerre, il fallait les voir traverser les lignes ennemies. Hein. Maintenant, ça a le cul vissé dans un fauteuil, à débiter des conneries sans nom au service des puissants. C'était la colère de Mélenchon. Comme ça, sur la tête, on a décidé d'aller ensemble le cours de la vie. D'abord parce qu'on est bien conscient que sur cette réforme, il y a beaucoup de rapports de force globales entre les classes sociales qui jouent. Du gouvernement, lui, est en train de s'élargir. Celui de la mobilisation est en train de se fragiliser. C'est plutôt le bordel chez les cocos. Donc à un moment donné, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'on nous balade à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Ah, je suis vraiment con. 8h68, question politiquement concrète pour terminer, j'en ai deux. J'ai entendu Gérard Depardieu déclarer... Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en seulement variant le ton. Par exemple, tenez... Agresse. Quand on a 4 ou 5 personnes qui cherchent un emploi dans ce pays, qui sont chômeurs, qui attendent qu'une seule chose, c'est de pouvoir bosser, et on vient nous voir la gueule enfarinée dans les entreprises en nous disant vous allez travailler jusqu'à 2006. Il faudrait s'arrêter 30 secondes. Et Olivier. Moi, monsieur, si j'avais un tel né, il faudrait sur le champ que je me l'ampute. Putain. Amica. Moi, je le préfère dans ces films. Il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un hanap. Description. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Oh, que dit, c'est un cap, c'est une péninsule. Oh non, c'est un peu court, jeune homme. Tu devras fermer ta gueule.